Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Parce qu'on a vu les noyaux d'Ahmed Touma, je suis même bloquée sur la page d'Ahmed Touma depuis qui m'avait bloqué. C'est... Comment on appelle encore celle qui était au Canada, ou au Canada, aux États-Unis là? Modestine. C'est Modestine qui m'a bloqué, hein. Ce n'est même pas Ahmed Touma lui-même qui m'a bloqué. Donc vous pouvez comprendre combien des années après, c'est Modestine qui m'avait bloqué. Ce n'est même pas Sheila. Après ça, Sheila est devenue son tour encore. Après, parce qu'il y a Sheila avant Modestine. Et puis Sheila est encore revenue quand Modestine est partie. Ils ont encore fait un petit truc là comme ça. Après, il y a eu beaucoup d'autres filles. Moi-même, j'ai connu même Prisca. Hey! Voilà ma soeur abeille qui m'a fini avec les étoiles. Oh, le goût d'être abeille frélatée. Oh, maman. Le goût d'être abeille frélatée. Oh, ça donne les étoiles. Le goût de chat. Maman, merci ma soeur. Quelle est la mongoline à Nyondi. Merci ma soeur. Thank you very much for your stars. It actually goes straight to my heart. I thank you very much, my love. Maman, donc vous pouvez pas imaginer que quand celle-là vient jouer les yoyettes ici avec ses cheveux-là, on avait déjà vu ça avant, depuis. Donc, pour penser que c'est Modestine qui m'avait bloqué, un truc de depuis, toi, tu viens vouloir faire un truc avec... Mais je dis, quelle femme digne, quelle femme respectable, quelle femme vraiment qui peut se placer comme ça et se dire femme, peut venir faire les bambambés devant les gens comme ça à cause d'un banzizi, parce qu'on a donné... Un hashtag à un banzizi que 53 cm, tu veux te la péter? Ça, c'est quoi ça? Mais Oshibanga, respecte-toi. Oshibanga, ça ne tolle pas dans la tête? Oh, thank you, my sister. À cause des mimbangs de Ahmed Kamé, oui. Elle a insulté tout un peuple. Oui. Je vois les gens qui sont en train de faire les pleurs de Mboleko. Oh, arrêtez de la harceler. Oh, ne l'insultez pas. Eric et Mado, ton direct, c'est me sucre. Eh, Mado, l'ofombo. Bonjour Dolo Moulema, ouais, voilà encore l'autre, ma soeur Dolo Moulema, qui avait dit que non, je ne suis plus amie avec elle parce qu'elle a attaqué ma reine-mère. Mais voilà ma reine-mère, que quand Dolo Moulema entre dans son direct, ma reine-mère même ne va pas me saluer, elle va me saluer Dolo Moulema. Je suis qui pour ne pas saluer Dolo Moulema? Et pourtant, elle faisait le Congo ça avec Dolo Moulema. Les gens sont assis là-bas, ils ne connaissent pas le Congo ça que je connais sur eux. Est-ce que j'ai à parler? Est-ce que Chupinette parle? Et Dolo Moulema n'est pas mauvais. Regardez comment Dolo Moulema s'est calmé depuis que Dolo Moulema est seul. Pourtant, avant, Dolo Moulema était tranchante, elle insultait. Mais est-ce qu'elle insulte encore aujourd'hui? Donc, vous comprenez que parfois, il faut souvent quitter certains milieux pour être bien. Hein? Mais Dolo Moulema, tu as les excuses à passer à ma soeur Chanessa Sui. Si ce n'est que ça, moi, je vais te le dire ouvertement, parce que c'est quand tu avais dit là, on ne dit pas ça à une femme comme... Mais bon, on va prendre ça après. La chose de talent, là, celle-là qui a fait ses preuves sur Facebook, elle a mis tout le monde au pas à Facebook. Il y a une personne qui n'a pas bouffé le njangé de cette fille. Il y a une personne, y compris moi-même. Pour rire, elle s'est levée et s'est attaquée à moi. Je vais dire son vrai nom. Tu pleures pourquoi? Tu vas bouffer ton njangé. Ahmed n'a pas encore fini avec toi. Il va te faire ça, il va te mettre ça là où il faut. Père Loïc, c'est ma faut une place, ma belle. Elle dit que l'abeille ressent ça sur son corps, dans son esprit. Ma faut une place. Si Mafo elle-même n'est pas une place, moi je serais une place avec Mafo. C'est ça qui est ça. Hé hey! Ma soeur Kalamolongolina, hé hey, hé hey! Ouh! Envoyez-moi les cœurs, oh, maman. Sans qu'elle soit dans ma cuisine, je danse. Une femme. Vous parlez même de quoi? Hein? Vous parlez même de quoi? Je vais vous montrer un peu ma neige, hey, maman. J'espère que la connexion ne va pas déranger ici. Je vais vous montrer un peu ma neige. Les gens qui s'assoient là, ils insultent les gens frélatés. Voilà ma neige, vous avez vu. Ça, ce n'est que mon dehors. Les gens qui vivent dans 1m42. Là, vous insultez les abeilles. Là, regardez un peu qu'elle a mongoline. Là, quand elle envoie les abeilles, là, vous connaissez ce que ça veut dire. On insulte les abeilles. Vous insultez les abeilles. Ah ouais, les cœurs, pardon. Ouais, voilà Ndolo Moulema qui dit qu'elle va demander les excuses à ma copine Chanel Sassoui. Merci. Quand maintenant tu as demandé les excuses, ma copine va te débloquer, on va continuer dans la paix. Parce qu'il y a des gens qui font des choses ici dehors. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce que tu es dans un certain cercle. Et ça peut vraiment faire un truc. Parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux dire que tu es avec quelqu'un. Moi, je suis avec Mafo. Je vous jure, même si Oshibanga, c'est ma soeur, elle insulte ma reine-mère. Je vais la parler comme ma soeur que non, tu ne peux pas insulter
ma reine mère, parce que c'est une femme que j'apprécie. Maintenant, si elle continue avec ça, moi, je quitte, je quitte sur ça, non. Je quitte sur ça. Personne ne doit m'influencer. Une femme qui est influencée, quand tu es déjà influencée, tu n'as même plus... Est-ce que les gens te respectent même encore? Au lieu de venir t'écouter, c'est mieux, on peut écouter la personne qui t'influence. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je suis vite passée avec la carte. Et là, comment il a envie de partir me montrer ma face? Le Congo, ça va faire chupiner. Le Congo, ça va faire chupiner, va sortir en vraie vie. Il va te mettre ça là où il faut. J'ai dit que j'ai dit quoi? Que Amé va faire quoi? Partager le live dans les groupes. J'ai dit que Mach en doit connaître jusqu'à étudier qu'on est en train de framponner la vieille peau là. Alors, merci. Maman, quand une abeille me pompe les étoiles comme ça, je ne peux que te faire ça sans vaseline. Tu pleures quoi? Oh, je fais mes lives. Il vient se mettre sur ça. Ils ne font que me harceler, me harceler. Maman, ce n'est pas l'heure de pleurer. Tu as dit que tu veux faire le love story. Maman, maintenant, love story, c'est le retour. C'est le quoi? C'est le retour du love story. Les conséquences du love story. Donc, toi, tu croyais que le love story que tu faisais, la visibilité que tu avais, là, c'était pour tes beaux yeux. Maman, tu croyais? Tu croyais que tu n'aimerais pas avoir bouffé un djangui? Oh, ma carrière. Oh, j'ai associé mon image à un xénophobe. J'ai associé... Ah! Quand ça te convient. Aujourd'hui, tu connais Kamé est xénophobe. Quand elle a pris la matière, c'est qu'il va boire avec tout un peuple. Ton peuple, tu n'étais pas là. Tu nous as nagué. Quand tu es passé chez Lolo, à la télévision de Lolo, une de tes soeurs bafons appelé. Elle t'a dit quoi en bas toi? Quand donc tu as cherché partout. T'as pas de gars. C'est le gars là que tu es parti porter, mamie ça. Tu as dit quoi? Tu disais quoi aux gens? Tu nagues les gens, non? Mais oh, je suis belle. 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 Oh, je suis maman. Juste un jour, que quand vous m'insultez, c'est là où je tape. Pum, pum, pum. Mais 53 centimes, j'ai amour. Maman, jusqu'à la vieille peau aussi, est venue parler de moi. Que, wow, 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 le mariage le plus court que le Cameroun ait connu. Wow, Swan, tu n'as pas honte. Pas honte. Tu n'as pas honte. Même pas honte. Oh, ma carrière. Tu as quelle carrière? Quelle carrière? Maman, quelle carrière? Carrière dans les clashs. Elle a quelle carrière? C'est Oshibanga. Carrière vraiment bracata, carrière saleté. Elle s'assoit aujourd'hui pour dire qu'il me reste 11 mois. Pendant ces 11 mois, je dois me concentrer sur mon... Elle va se concentrer comment? Elle quitte de Facebook, elle part à TikTok. Elle quitte de TikTok, elle part là-bas. Elle cherche qui elle va faire des problèmes avec. Quelle carrière, ma chérie? Tu peux avoir quelle carrière? Et moi, je ne vais pas mentir. Moi, j'ai écouté la musique de cette fille-là. Elle ne chante pas mal. Je ne peux pas mentir. Elle ne chante pas. Bon, chacun a son goût, hein. Mais je dois vous dire que moi, j'ai apprécié sa musique. Mais je n'apprécie pas la personne derrière ces musiques-là. C'est ça la différence. Si cette femme-là s'était même assise, elle s'était assise ici une fois, elle a commencé à pleurnicher comme quoi, « Oh, les gens ne veulent pas m'aider. Les gens ne veulent pas partager ma musique. » Dernièrement, je vais faire... Tu as clashé moi, l'homme, moi, Minga. Attends, je vais jouer ça. Et je vais vous dire pourquoi. Tu as quelle carrière? C'est ce qu'on appelle carrière là-bas. Tu chantes quoi? Chanteuse des carnivaux. Maudite va. Viens signaler mes pages. Tous ou que tu sois. Elles ont signalé pour moi. Là, moi tu as compris? J'ai dit tous. Tu dis quoi? Qu'on doit avoir pitié de toi? Qui peut avoir pitié de toi? Avant le travail que tu as fait sur Facebook, on va avoir pitié de toi. Personne n'aura pitié de toi. C'est le retour maintenant des géants. Il a dit que quand vous voyez les gens qui ont pitié de Oshibanga, partagez le live. Je ne vois pas les mercures monter. Je ne vois même pas les partages. Nous sommes seulement à 50 personnes. La vieille peau a signalé ma page. Donc, vraiment, nous sommes seulement à 50 partages. Partagez le live, non. Quand la page est restreinte, ça ne peut pas partir loin. Vous voulez aussi écouter comment vous êtes à votre pause au travail. Moi, je suis free aujourd'hui, mais j'ai dit au moins, vous mettez les écouteurs, vous écoutez, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup, mais simplement un partage, ça ne peut pas vous tuer, n'est-ce pas? On parle là d'Oshibanga. Oshibanga. Partagez. Mafo avait dit qu'elle veut la paix. Elle est pour la paix. Mais s'il y a une personne qui l'insulte, une personne qui essaie de dénigrer, qu'on atomise sans regarder derrière. Oui. Et même jusqu'à là, je ne peux pas m'accrocher sur le fait que je fais ça pour Mafo. Non. Je fais ça parce que la fille là me sort de partout. Elle me sort de partout. Maintenant, ils essayent de mettre ça sur l'étoile crédienne. Oshibanga, tu ne serais jamais la femme que l'étoile crédienne est. Étoile crédienne ne s'assoit pas pour mettre le PayPal, pour pleurer les donateurs. J'ai dit, comment tu peux me faire pleurer des donateurs dans ta vie? Tu es quel genre de femme? Tu vis ta vie comment? Tu pleures les donateurs?
Les gens qui sont là pour donner. Donc, si un jour, comme ça, je mets ma caméra, Chenissa suit, Kalamongolina ou Brigitte ou Kersidika disent que non, aujourd'hui, on ne t'envoie pas les étoiles. Je vais me placer là pour pleurer que, oh, c'est parce que j'avais suivi le banc d'ici. Voilà pourquoi les gens, s'ils ne m'envoient plus les étoiles, ma vie est finie, je vais faire comment? Mais sors, tu peux travailler, c'est même qui ça? Hein? Une petite personne comme ça. Sors, tu dis tu es être intelligente. Tu dis toujours pouvoir corriger les gens. Tu dis toujours que d'autres femmes sont plus petites ou elles sont moins bien que toi. Mais si tu es aussi bien que ça, sors, tu peux travailler. Espèce de quémandeuse. C'est qui ça? Je peux avoir compris que quelqu'un sort que bon, aujourd'hui je vais faire mon album, j'ai besoin d'aide. Mais tu ne peux pas demander tous les jours de l'année. Tu es folle. Ça ne te passe même pas comment? Parce qu'en même temps, les gens disent qu'on soutient quoi sur tes poils là? Si vous ne m'aidez pas à partager, je ne vais aller nulle part. Dans ma page, j'ai signalé le jacquet. C'est rouge, après, je vais vous montrer. Ce n'est même pas que c'est orange, le rouge seulement. Le rouge. Comme je vous dis là. Moi, je suis en train de partager. Elle dit que ma page est signalée parce que j'ai partagé un live là où sa musique jouait. Je n'ai pas payé les droits d'auteur. L'entouze, j'ai partagé parce qu'elle voulait te soutenir une douze. Donc c'était un piège que tu étais à dire, oh, soutenez-moi. Vous ne partagez pas mes contenus. Vous ne faites pas comme ça. On partage tes contenus. Mais vous voyez le mauvais cœur de la fille ici. Vous voyez le vrai mauvais cœur. Ah, donc ça, c'est ce qui s'est passé avec Malo Fombo. Mais donc, qu'est-ce que tu as subi, hein? Donc, Oshibang, elle, comme ça, elle pleurait. C'est ce que j'étais en train de dire. Elle pleurait ici que les gens ne me soutiennent pas, les gens ne font pas ceci. Et voilà maintenant, Madokas, aveuglement, elle est partie maintenant pour dire, bon, je vais soutenir ma soeur, je vais partager sa musique. Et bien sûr que Oshibang, tout ce qu'il y a à voir avec Oshibang, c'est l'argent, c'est la monétisation, c'est ceci. Donc, faites attention à comment vous partagez ces musiques de merde là, même maintenant. Mais sincèrement, donc, tu es parti gâter la page de Ouais, le Fombo, en voulant faire du bien, Oshibang, t'as eu un... Qui parle même d'abord pour aider une femme qui a le mauvais fond comme ça? Je dis, c'est Ducamé qui a créé cette fille-là ici, le jour qu'il avait créé le direct de l'année-là. Ce direct-là, il y avait tout le monde dedans. Le direct, il y avait tout le monde dedans. C'est le jour-là même que j'ai connu que Oshibanga, c'était qui? Toi, tu parles maintenant pour soutenir quoi, normal, Dorcas? Jusqu'à ce que tu perds. Et maintenant, ta page est restreinte. Elle est la seule personne qui peut maintenant partir maintenant à lever ses droits d'auteur-là pour que ta page redevienne propre. Mais comme elle a mauvais fond, comme elle a très mauvais fond, elle décide maintenant de ne pas le faire. Elle décide de ne pas le faire. Non. Tu tournes, tu peux signaler. Pourquoi suspends les pages des gens? Qu'est-ce que j'en avais à foutre à partager tes conneries? Non. Hein? Qu'est-ce que j'en avais à foutre? Et c'est Raven Biaï qui me met aussi la pression. Oh, tout le temps, il m'écrit. Pardon, partage. Partage le live. J'ai partagé. Voilà le prix qu'elle paye aujourd'hui. Elle est tournée derrière. Elle est partie signaler. Elle est partie signaler. Hein? Regarde-moi celle-là. Hein? Je vais vous faire écouter. Vous savez, dernièrement, j'étais passée sur Facebook. Quand ils étaient en train de s'engueuler, je vais vous faire écouter. Partagez le direct. Je vais vous faire écouter l'exclusivité. J'avais gardé ça. Je vais même partager ça en vidéo après. Mais si vous ne partagez pas le direct, je ne vais pas vous partager ça vraiment. Parce que personne n'a eu ça. C'était sur TikTok. Ce jour, Amel Touma était en direct. Oshibanga est aussi parti en direct. Amel Touma était à rentrer chez lui et Oshibanga, elle était dans sa part de direct TikTok. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà que Amel Touma prend Laure Moaminga en direct, n'est-ce pas? Quand Amel Banga prend Laure Moaminga, il paraît que dernièrement, il a les yeux un peu focus sur Laure Moaminga. Il se dit sûrement que s'il est gentil avec elle, il va pouvoir faire quelque chose. Donc, ça a énervé Oshibanga. Oui, ça a énervé Oshibanga. Parce que quand elle avait fait son TikTok le jour-là, c'était les injures et injures. Comment, wow, toi, Amel Touma, tu as l'audace de prendre cette fille chaque fois dans ton direct. Avant, je croyais que c'était une amie. Bon, vous ne partagez même pas. On continue avec Madokas. T'as économique comme ça, là. Tu viens voir les femmes comme moi. On va tout dire. Mais Flore, tu ne vaux pas Flore. Tu as compris? Laisse le clash qu'on fait sur Facebook, là. Que quand on dit qu'on fait le clash, tout est permis, là. Laisse qu'on dit souvent qu'on fait le clash. Quand on dit qu'on fait le clash, que dans le clash, il n'y a pas de sentiment, tout est permis. Mais toi seulement là, aujourd'hui, demain, après demain, là où Flo parle, tu ne peux pas parler. Hein? Tu as comme ce que je t'ai dit. Ne vois pas ton petit corps là que tu veux mettre sur Facebook là. Tu dis que oh, je suis belle. Tu es belle, tu as quoi? Les fesses, tu n'as pas. Les seins, tu... Rien. Maintenant, je vois un peu les commentaires ici. Ouais, tata, cela, je m'en fous. Oh, je suis poilu.
Bonjour la Black Beauty. Ah, ça me fait toujours plaisir de t'avoir. Est-ce qu'il m'aurait dit que la Black Beauty dans mon direct? Maman, c'est Raffine Podi. Je suis Pinel Blog, j'aime Mafo depuis 2003 à Lille. C'est ma fille et je t'aime puisque tu es Mafo et tu es une belle personne. Merci Séraphine pour. Ouais, merci la mère. Merci beaucoup. Jolie Dodi. Leur organisation, c'est faire sauter les pages de Flore, même les likes. Ah, ça, ce n'est pas faux. Hein. Ça, c'est vraiment pas faux. Donc, vous voyez que Oshi Banga, que vous voyez là, dans un live TikTok, s'est engueulée avec Laure Moaminga jusqu'à elle. Elle a fait quoi? Elle a attaqué Laure Moaminga dans ce direct. Je vais vous faire écouter ça. On termine d'abord pour ma Lofombola. Lofombo qui dit soutenir Mafo aujourd'hui. J'ai envie de rectifier un truc ici, ma Lofombo. Je ne peux pas t'interdire de soutenir Mafo. Bonjour Rosa Rosé, comment ma belle? Je ne peux pas t'interdire de soutenir Mafo. Mais tu ne peux pas soutenir Mafo en comparant Mafo à Oshi Banga. C'est ça le problème. Tu peux soutenir Mafo dans tout. Mais de mettre là et de comparer Mafo à Oshi Banga, c'est vraiment rabaisser ma reine-mère. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, continue dans ton soutien, mais pas en comparant que je soutiens Mafo. Parce qu'il n'y a rien en face. Oshi Banga, c'est la merde. On ne peut pas mettre Oshi Banga à côté pour dire que je te soutiens et je soutiens Mafo si on parle d'Oshi Banga. Non, parce qu'elle, c'est rien. Quand vous voyez, il y a la reine-mère. C'est que la reine-mère a déjà fait. Vous pouvez prendre Oshi Banga pour mettre à côté. Oshi connaît comment on achète au sac de ciment. Oshi connaît comment on fait la fondation. Oshi connaît comment on construit les maisons. Oshi connaît comment on s'occupe. Bon, je ne vais pas parler des mamans. Mais façon dont Mafo s'occupe de sa maman. Là, Oshi Banga est partie dernièrement chez sa maman. La première chose qu'elle a fait avant de même dire bonjour à sa mère, c'était mettre Facebook Live pour pouvoir gagner la monétisation. C'est ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas ce que notre reine m'a fait. Donc, quand tu dis que je soutiens Mafo, ça me plaît beaucoup parce que vous avez eu vos antécédents. Et la paix sur Facebook est très importante. Puisqu'on a dit que la paix, nous sommes en paix avec tout le monde. Même avec toi, Mal, au fond. Moi, je suis en paix. Tant que ma reine m'a dit que la paix en 2024. Mais de là à dire que tu soutiens Mafo, en comparant Mafo à Oshi Banga, vraiment, moi, je dis, enlève ton soutien là parce qu'il n'y a rien à soutenir. Il n'y a même pas de comparaison. Tu parles de quelqu'un qui fume le kio, qui boit le kio, qui dort le kio, qui est tabassé dans les... Dans les quoi? Dans des milieux publics. Une personne qui est, je ne sais pas, qui est insultée sur TikTok comme de la merde pour dire que tu soutiens. On soutient quoi? Dis que tu aimes ce que Mafo est en train de faire, tu aimes l'esprit de Mafo, mais pour de là maintenant, Malofombo, tu as envie de déranger. Quand tu dis comme ça, c'est comme si tu veux un peu déranger. Non, il ne faut pas comparer, il n'y a rien à comparer là. Mais sinon, merci pour ton soutien. Femme comme moi, on va tout dire de Flore. Tu ne vaux pas Flore, tu as compris? Laisse le clash qu'on fait sur Facebook là que... Quand on dit qu'on fait le clash, tout est permis là. Laisse qu'on dit souvent qu'on fait le clash. Quand on dit qu'on fait le clash, qu'est-ce que c'est? Oshi, c'est un frélaté. Frélaté. Son gars, son banzizi, c'est Ahmed Touma frélaté. Oui, 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 oui. Ils sont tous des frélatés. Dans le clash, il n'y a pas de sentiment, tout est permis. Mais toi seulement là. Toi seulement là, aujourd'hui, demain, après demain, là où Flo parle, tu ne peux pas parler. Elle n'a jamais pu parler. Hein? Tu as ouais. Comme si elle dit, ne vois pas ton petit corps là que tu veux mettre sur Facebook. Bonjour, là, tu dis, je suis belle. Tu es belle, tu as quoi? Les fesses, tu n'as pas. Les seins, tu as pompé les seins. Tu n'as rien. Elle dit être naturelle, mais elle pompe les seins. Elle veut se comparer à l'étoile cribienne. Je dis que Oshi Banga, c'est plutôt l'étoile cribienne que tu devais soutenir, ma Lofombo. Ce n'est pas ma Lofombo. Ma Lofombo n'a pas besoin de ce genre de ce genre de soutien contre je ne sais même pas. Tes noyaux Pro Max, Zomloa. Elle dit, ma bébé, j'étais noyau, j'étais demandé de m'aider pour un montage. Là. Non, j'ai cru que c'était à FP que tu avais dit non. Non, est-ce que tu es comme IB? Non, ouais, Solange Mafo, ouais. J'ai cru que tu voulais plutôt que c'est FP. Tu avais dit à FP, tu m'as pas demandé. Tu m'as pas demandé. Si tu me demandais, c'est que je n'avais pas refusé. En plus de ça, je ne suis pas très, très, très top en montage comme ça. Je me débrouille aussi. Est-ce que Flore a un problème à faire cette chose de poilu là? Est-ce qu'elle regarde même Pauline Muriel? Flore Sumeta, elle est numéro 1 partout. Non, mais sans blague. Hein. Quand on regarde un peu les conneries qu'il y a sur Facebook là, sans blague, mais même ceux qui parlent là. Moi, je vois les gens qui ne peuvent même pas donner les cadeaux. Bon, si je dis ça, on va dire que j'ai attaqué. Mais donner les cadeaux d'anniversaire, quand tu pars pour l'anniversaire, la moindre des choses, c'est pouvoir donner un cadeau d'anniversaire. Tu vas dire que tu es qui? Je vois des gens qui ne peuvent même pas payer le taxi. Tu ne peux même pas mettre le carburant dans ta voiture. Tu ne peux même pas te vêtir sans pouvoir demander ou te coiffer sans pouvoir demander. Tu vas venir te placer devant Mafo pour dire quoi? C'est une femme qui change l'habillement chaque jour, puisqu'elle est en direct chaque jour. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont envie d'être en direct chaque jour. Elles ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas facile de se vêtir et de venir mettre la caméra chaque jour. De se coiffer et de venir se mettre en direct chaque jour. Vous comprenez un peu? Donc, quand j'entends dire qu'on soutient
Mafo par rapport au Shibanga. Non, c'est un peu un genre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord, Solange Mafo. D'accord, donc mal au fond. Moi, je suis avec toi. Je suis avec toi maintenant. Et que personne ne vient me dire que wow, tu es avec le Fombo. Pourtant, le Fombo. Maman, nous sommes en paix. En paix. Comme d'autres sont avec Oshibanga aujourd'hui. Nous sommes en paix. Personne ne contrôle mon internet. Personne ne contrôle où je suis. Entre temps, j'ai bloqué les pages de, ces, de beaucoup de ces gens. Et je vais encore bloquer. Donc, pour ceux-là que je les dérange, qui pensent qu'ils ne me veulent pas, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Je vais vous faire une capture d'écran. Comment ils ont signalé ma page. Je vais vous faire une capture, je vais vous déposer. Vous savez que moi, je le fais souvent, je dépose. S'il vous plaît, passez, quittez de mes pages. Ne venez même pas. Ne venez même pas en sous-marin. Parce que vous ne me donnez même pas les étoiles, vous ne me donnez rien. Même vos vues sont frélatées. Donc, passez, s'il vous plaît. Passez. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Vous exagérez déjà vraiment sur ce Facebook-ci. Hé, hey, Mafo, c'est toi. Bon, je t'aime, ma reine, mais... Dis que tu es belle, maman. Flo est élégante. Elle est belle. Quelle différence entre être belle et être élégante? Annie, c'est comment, ma Flo belle? Flo est élégante. Tu as compris ce que j'ai dit? Donc, si on te met sur le marché, on met Flo, elle a les rondeurs africaines. Ah, tu n'as rien. Les vrais gars africains veulent les femmes charnues. Comme les moires, comme ça. Ils ne veulent pas les femmes qu'on peut prendre, qu'on fait la chicotte de l'autre avec. C'est les blancs qui aiment ton corps, là. Maman, le fomo, tu as menti. Le blanc aime mon corps. Écoute un peu. Elle dit que juste en caleçon dans ma cuisine, maman, il devait faire l'œuf pour manger. Mon pain que j'ai fait là-bas, maman, il est fait charger avec la mayonnaise et le piment qui est fait. Mon magui. Hé, hey, maman, Seigneur, je commence déjà. Journée de libre pour Choupinette. On lance les directs. La seule personne qui peut me stopper, c'est quand la reine mère va venir. Si la reine mère en direct, vous me dites sinon, on lance les directs. Oshibanga, tu es zéro. Tu ne peux personne sur la toile. Mince. Je vois quelqu'un qui va s'asseoir. Je dis même le on appelle ça quoi? Je vous ai montré le snow. Comment on appelle encore le snow en français? La neige que j'ai seulement ici derrière chez moi. Une gars est entassée comme ça dans une petite chambre avec une petite chaise pour insulter les gens. Elle ne savait pas que quand elle va sortir, il y aura les gens qui vont lui donner le tchoukam. Oui, Sheila. Sheila, t'as fait ses petits. Sheila devait te tabasser jusqu'à ce qu'on ne te reconnaisse même pas. Oui, 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 oui. Sheila devait te porter comme ça, te jeter comme ça. Comme tu as vu Sheila, non, quand elle bouge comme ça. Oh, j'ai aimé la partie du direct là quand ma reine m'a montré ça. Toi, tu comprends quand même la reine, mais non, elle a eu le goût de Sheila. Que ouais, Sheila, regardez un peu. Elle joue seulement comme ça dans son direct d'hier là. Vous-même, vous comprenez que même la reine m'a voulu même dire merci à Sheila. Une imberbe comme ça qu'on soutient. Celui de Ahmed Touma là. Celui de. Il dit que Julia Robert soutient Sheila. Maman, là, il y a tout le comme ça, c'est ça et ses pectoraux. Ouais, la même pectoraux. Ça monte comme ça. Il dit que je ris, ça ne finit pas. Et quand la reine m'a montré ça hier, elle m'a dit que oui, ma photo aussi, tu vois les choses ici d'ailleurs. Hein? On dit que donc, vous avez compris ce que ce Ahmed Touma a fait hier. Il a tourné maintenant tout pour que ça soit contre les poils cribiennes. Pourtant, c'est lui qui était déjà devenu le problème. Étant le grand manipulateur qu'il est, il a retourné la situation en faisant quoi? En maintenant, il fait maintenant comme si je suis avec toi, Oshiga. Le temps que tu devais être avec Oshiga, c'est quand tu as publié la vidéo avec Mafo. Tu devais laisser tomber cette vidéo et publier plutôt Oshiga. Mais comme la Oshibanga, là, c'est une autre, on va publier quoi sur elle? Tu es plutôt parti vouloir prendre tes vues derrière la reine mère. Et quand tu te rends compte maintenant qu'Oshibanga, Oshipoil est en train de pleurer partout sur Facebook, tu te retournes maintenant, tu cherches ta proie. Et bien sûr, ta proie, c'était qui? C'était l'étoile cribienne. C'était l'étoile cribienne. Donc, tu te retournes maintenant pour faire comme si l'étoile cribienne est jalouse d'Oshiga. Voilà pourquoi elle ne supporte pas, elle ne soutient pas Oshiga. L'étoile cribienne est jalouse, elle me veut, elle ceci. Et c'est comme ça que tout le monde, les gens qui étaient en train de regarder maintenant vers Ahmed Touma et pourquoi Oshibanga était en train de pleurer, se sont maintenant retournés pour demander, donc c'est l'étoile cribienne le problème. Je dis non, ce n'est pas l'étoile cribienne. L'étoile cribienne est trop instruite, trop sage, trop pragmatique pour être même dans les bêtises là que vous êtes en train de voir là. Elle n'est pas de leur monde, elle n'est même pas à côté de ça. Donc tous ceux qui sont en train de manigancer là, ils sont seulement en train de faire du je ne sais quoi. C'est du faux game, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je te dis. Ça ne marche vraiment pas. Un fausseur comme ça. Maintenant, bonjour Choupi.
Bonjour, envoyez les cœurs, pardon. Oh, envoyez les cœurs pour que les gens ne me Partagez signalent pas. Partagez le direct. Soutien à Sheila. Soutien total. Moi, je soutiens au Sheila, Sheila demain, après-demain. Je soutiens au Sheila Rora. Tout pis, les gens viennent, ceux qui ne connaissent pas, celles qui viennent d'arriver, ne connaissent pas vraiment la genèse. Maman, il faut les dire, Julia Roberts. Tell them. On a souffert ici. Celles qui viennent d'arriver aujourd'hui, qui disent que, oh, ils sont abeilles, vous ne connaissez pas la genèse. Amère, Kamère est toujours amoureux de Sheila. Même celle-là, l'intellectuelle Modestine, là. Modestine avait toujours des problèmes avec Sheila. Amère, Kamère est amoureux de Sheila jusqu'à il ne pourra jamais oublier Sheila. Même Modestine avait toujours les problèmes, toujours des problèmes par rapport à Sheila. Elle qui m'a poilu, elle pense qu'elle a gagné. On va sauf que la dorme. Mais c'est ça que les gens le disent, que Julia Roberts, que tu as vu ce qui s'est passé. Quand ça s'est passé, Étoile Crivienne a dit que non, vraiment, il fallait qu'on te dorme bien, il fallait que Sheila te dorme bien. Mais le gars là, au lieu de sortir pour supporter sa Oshibang, n'est-ce pas, il ne l'a pas fait. Il part plutôt mettre une vidéo de Marc pour essayer de s'attirer plus d'attention et de se faire plus de vues. Et puis maintenant, Oshibanga, elle a pris le kior, elle a bu le kior, elle a fumé le kior, elle a tout fait. Maintenant, elle s'en rend compte que mince, qu'est-ce qui se passe? Ma foi, fait un direct maintenant pour rabaisser ce Ahmed Touma, pour lui donner le niveau qui le convient, le niveau de plus bas que terre. C'est là alors que Amer s'en rend compte que oh, là, c'est la manière qu'il a eu derrière la vidéo de Mafou là en train de descendre, parce que Mafou l'a mis un bim qui n'avait pas son nom et l'a cloué par terre. Pour remonter, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant sa proie qui était l'étoile crivière. Tout ce qu'il raconte là pour l'étoile crivière là, c'est juste pour s'attirer les followers ou bien la visibilité. Tout ce qu'il dit pour l'étoile crivière, il n'y a rien. Rien de... L'étoile crivière n'est pas amoureuse de lui. Zéro macabre. Mais il n'y a pas que tu fasses une erreur entre la Sheila qui a tabassé Oshibanga et Sheila avec qui Amer Kamer était. C'est deux femmes différentes. Hein. Ah oui, Sheila, c'est la femme d'Amer Kamer il y a longtemps, il y a de cela 3 ans, 4 ans aujourd'hui. L'histoire là, nous, on était ici à qui par terre. Elle s'appelait Sheila. Sheila, c'est toujours Sheila, non? C'est Sheila. Non, c'est pas la même chose parce que celle d'aujourd'hui, c'est Sheila. C-H-E-L-L-A. Mais la Sheila de Kamer, c'était S-H-E-I-L-L-A, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, celle qui a tabassé Oshibanga, ce n'est pas celle qui sortait avec Amer. Je pense que peut-être, je ne sais pas, Solange Mafo, la tata d'Isabelle, dans le direct, elle pourra vraiment confirmer que si c'est Sheila ou bien c'est... Parce que Amer Kamer est amoureux de son ex-ex-ex-ex là. Donc, celle-là, Mama Poilu aura toujours des problèmes. Et Amer Kamer, c'est un hypocrite, en fait. C'est un hypocrite. Julia, il est toujours amoureux de cette Sheila-là. Mais celle qui a tabassé maintenant, ce n'est pas celle avec qui il sortait. Seulement, je veux juste que tu saches. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas celle avec qui il était. Il est encore amoureux de celle-là. Oui, si, il est encore. Ce que je veux juste, j'ai pitié de celle-là, Mama Poilu. Je n'ai même pas pitié. Il faut qu'on la dorme. Si elle retourne encore avec Amer Kamer, c'est que elle, vraiment, elle est. C'est même une dernière des femmes. Elle est la dernière des femmes. Franchement. Regarde-moi les Mama Kaka, Mama Poilu comme ça. Elle vient, commence à insulter tout le monde, à insulter. Elle se prend pour qui? On soutient Sheila. Si Sheila savait même, elle allait même la tirer son clitoris, tirer même sa boucle qui est sur son nez. Mais je dis, j'ai une question à te poser, Julien. Tu peux dire être une femme belle qui peut avoir n'importe quel homme, et puis c'est avec le genre là que tu viens te caser. Je Wanda. Je Wanda. Regarde-moi. Sa façon même de moi-même, je vais l'endormir moi-même bien. Je vais l'endormir. Qu'elle continue toujours à tirer sa bouche, à insulter la mafo, à insulter les gens qui la dépassent. Elle va nier l'œil ici, l'enfant. On va l'endormir bien. On va la contrecarrer. C'est là. Si je te vois, envoie-moi ton adresse. Là, je te donne même 100 euros. Je vais t'envoyer 100 euros. Oui. Bipèche là-haut. Ici, pardon. Oui, je vais l'envoyer parce que la fille, regarde, elle met la canotte. Oh, il faut cotiser. Va travailler. Regarde-moi, regarde comment on dirait une spaghetti. Tu peux étoile qui vient. Et toi qui viens, c'est pas n'importe qui. Hein? Hein? Et toi qui viens. Tu commences à insulter la mafo. Tu dis, regarde-moi, c'est la mafo. Tu la peux. Tu la peux. Pas
Parmi toutes les blogueuses qui sont sur la toile, Marco, elle, c'est-à-dire Marco dépasse vous tous. Tous là, elle est incomparable même. Elle, c'est mon exemple. Chef, on te soutient, Roha. Voilà mon gars, Péril le lion qui se sou- chez là. Tiens, chez là. Je soutiens. Ahmed Kamel, essaie de descendre au Cameroun. Tu vas lire. Descends au Cameroun. Il n'a même plus les poulets. Je te dis, il n'a même plus les poulets. Tous ces poulets sont morts. Il vient, il fait le gros dos, il insulte tout le Cameroun, il insulte les Samuel Eto'o, il se prend pour qui? Tu as déjà vu Didier Drogba insulter, Makoso insulter Didier Drogba? Moi-même, vous qui êtes là, Makoso a déjà insulté Didier Drogba un jour, qu'il est voleur. Regarde-moi, Ahmed Kamel, il se prend pour un roi, descend au Cameroun. Regarde-moi un con comme ça là. Soutiens Sheila. Soutien à Sheila, le petit gagnant de la toile. Soutien total à l'étoile cribienne pendant cette période-ci. Ces deux ans-là ne peuvent pas te mettre à terre. Oui. Soutien à l'étoile cribienne. Regarde-moi les deux morpions comme ça là. Attaque l'autre. On va sortir. Elle a débloqué ma copine Mbopi. Elle reste un Mbopi à vie dans mon cœur parce qu'elle m'avait fait du mal. Mais j'ai débloqué. On va avancer. Je ne suis même pas cette directe. Celle-là, je ne suis pas. Celle qui a insulté ma foi ici, elle allait faire les deals avec les gens. Je ne regarde même pas cette directe même. Moi, celle qui manque du respect à la main, faut voir. C'est-à-dire, on sait. Les gens qui disent qu'ils sont abeilles, ils sont abeilles. Je les vois là-bas, ils sont là-bas. Ce n'est pas les abeilles, ce n'est pas les vraies abeilles. C'est les abeilles frélatées. Celles qui sont dans les bâtons de celles qui sont au Cameroun. Là. Ouais, toi aussi tu dis abeilles frélatées. On nous insulte partout. Toi aussi tu vas aussi insulter tes soeurs abeilles, ma. C'est les abeilles frélatées qui sont dans les directs des gens là. Celles qui sont au Cameroun qui sont dans tes directs. Moi, tu ne me verras jamais dans ces directs. Ah oui, c'est ça. C'est ça les vrais. Tu ne verras même jamais Solange Marco dans ces directs. C'est ça les vraies abeilles. Parce que nous, on a choqué ici. Quand on a mal mené ma foi ici partout, nous, on était là. Il y a, ça fait, depuis 2013, nous, on avait. Et on est toujours là. On regarde tout ce qui se passe sur la toile. Marco, je lui attends un peu. Tu sais que quand mon gars écrit, je lis soutien, le lion dit. Achela, la lion. Soutien, oh, Hachela. La lion. Bon, mon bébé, je profite pour te dire de ne céder à aucun chantage. On te bloque, c'est plutôt bon débarras. B, c'est toi qui prends. Tu es sûr que quelqu'un n'a pas pris ton profil pour écrire comme ça? C'est mon bébé Péri le lion, là, l'office de Marco qui a écrit ça. Mon chéri coco à moi, que j'aime tant comme ça. Ah. Mon gars a dit que Mbopi officiel, il profite pour te dire de ne céder à aucun chantage. On te bloque, c'est plutôt bon débarras. On m'avait bloqué depuis un Mbopi, donc bienvenue dans le club. Moi, j'ai été bloqué depuis et je n'ai pas pleuré. Donc, you know, cry. Tu te relèves. Tom, tu as trop cherché. Ah, ma. De toute façon, tu as même d'abord soulever la personne, tu as déposé la personne, tu es encore revenu. Non. Les gens ont soit les rancœurs dans le cœur. Et il ne faut pas oublier ça. Quand vous faites des choses aux gens, hein, pensez souvent que ce n'est pas tout le monde qui oublie. On peut te pardonner, mais on n'oublie pas facilement. Donc quand vous venez, ne venez pas trop avec. Ne venez pas trop embrasser les gens une fois. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut quand même quand tu reviens avec la personne. Ça, c'est juste un conseil et cela, il y a y voir avec Facebook. Quand tu fais du mal à quelqu'un et que tu reviens vers cette personne-là, demandez les excuses. Ne viens pas toujours comme si tu as envie d'embrasser la personne. Comme si tu as envie d'embrasser la personne, comme si tu as envie de, je ne sais quoi. Je ne vois pas de demande. Donc, si vous m'envoyez une demande, je ne vois aucune demande. J'ai vu pour Julia. Donc, si vous m'envoyez des demandes, je ne vois aucune demande. Vous sortez du direct, vous revenez encore. Donc, là, je vois une demande. Je vois la demande de Francisca. Oui. Donc, si vous envoyez les demandes et que je ne vois pas, c'est la seule demande que j'ai vue là maintenant. Vous sortez du direct et puis vous rentrez encore à nouveau et puis vous allez. Bienvenue, ma soeur. Merci. Coucou, ma. Merci. Ouais, je voulais seulement parler un peu à celle qui est descendue là. Pourquoi maintenant elle ne soutient pas la lion? Alors, c'est que nous sommes ici, excusez-moi, avant de parler, Francis, nous sommes ici comme les soeurs abeilles. Justement, donc, je sais, je ne parle pas mal. C'est pas mal. Je veux juste te dire ceci. Et ici, là, c'est Marfo une place. Ce n'est pas Marfo et ses acolytes ou Marfo et ses amis ou Marfo et ses frères et ses soeurs. Ouais. Ici, c'est seulement Marfo. Moi, je m'en bats les couilles des autres. Donc, Marfo et ses amitiés, c'est en dehors de Facebook. Ah, ok. Moi, je voulais seulement parler par rapport à comment elle dit que. Hey, attends, je te rappelle. Raccroche un peu, je te rappelle. Marfo, fais attention, ta caméra montre. Hein. Là maintenant, je ne sais pas si je vais.
Oh, c'est sûr que le direct va se gâter, oh. Envoyez les cœurs. Pour le cœur. Envoyez les cœurs. Pour le cœur. Aussi banga. Aussi poilu. Aussi senteuse. Aussi mal élevée. Aussi deuse. Bonsoir, ma choupichou, mon amour. T'as un beau pichou. La seule chose, quand je casse mon pied, tu m'appelles pour me demander que ça va. Bon, si maman, ça va, je m'en vais te laver. Avec tout le bien que je t'avais fait, parce que moi, je ne suis pas méchante. Tu as fait comment? Tu as eu le cœur pour me claquer. Ouais, ma choupie, j'ai hâte de demander les excuses même 100 fois, non? Non, parce que je n'ai jamais compris. Moi, je ne t'ai jamais rien fait de mal. Demande même à Dine, d'entrer même à Dine et sous-partie, dis que pardon, va dire à Mbopi qu'elle fasse comme ça, elle ne fait pas comme ça. Avec le bon cœur que j'avais avec toi, Mbopi, je t'avais fait quoi pour que tu me classes, tu classes mes enfants, ma? Hey! Ma choupie, laisse seulement. C'était, tu sais que la période là, je ne connaissais pas bien Facebook, non? Donc, je n'écoutais pas. C'est comme la puberté, non? Comme un enfant grandit, elle a 12 ans. Dans 12 ans, là, est-ce qu'elle contrôle les choses? Quand on lui parle, est-ce qu'elle comprend? Elle dort dehors, non? Maman, jusqu'à partir manger le héros chez les... Maman! Tu as fini avec. Maman, l'histoire de héros, tu viens encore. Hé, ma choupilla! Partir à l'anniversaire jusqu'à porter la robe bas. L'ensemble rose. Ouais, ma choupie, excuse-moi encore, ma sœur. Tu es ma sœur d'amour. Tu es même la sœur qui m'appelait toujours pour me demander que ça va. Même quand on m'agressait, même c'est que je suis allée chez elle, on m'a agressé, ne m'a pas appelé. Mais tu m'as appelé pour me dire ça va. Donc ça va, donc je peux y avoir fait le direct sur toi. Après ça, je vais tourner ça contre moi sur Facebook pour dire que c'est parce que j'étais jalouse et haineuse. Aïe, Mbopi. Maman, laisse comme ça. Laisse comme ça, ma soeur. Je t'aime beaucoup. Tu le sais. C'est que je t'aime bien. J'ai déjà parlé jusqu'à être fatiguée. C'est pas au chantage. On parlait de quel chantage, ma? Qui dit que tu fais le chantage? Non, arrêtez aussi. Donc, vous croyez qu'elle va aussi seulement m'accepter comme ça, là, parce que je suis... Non, tu as raison, Choupi. Tu as raison, vraiment. J'ai dit que si j'ai eu à parler de tes enfants, je m'excuse encore sur ta page. Franchement, ce n'était pas dans ce sens-là, parce que ça ne fait pas partie de mon blog, parler des enfants des gens. J'ai gardé toute la sécurité. Peut-être que j'ai eu... Mais n'est aussi. Tu sais que toi-même, tu ne m'as pas raté, non? Moi, je t'ai même parlé de toi. Je te dis à quoi. Yeah, c'est fini. Maman, quand tu as allumé ta caméra sur moi, non, et directement que c'est ma choupinette ici. Je ne t'ai pas parlé de toi. Hein. Jusqu'à la fin, c'est ma soeur de l'autre, la tigresse qui avait parlé, que ma faute m'a passé là-bas, même fâchée, même encore contre toi. Si j'avais porté mon. J'ai dit que je faisais. C'est que je n'avais pas te répondu. Tu n'as pas trop. J'ai toujours dit ça, Choupinette. J'ai toujours dit que les abeilles ne m'ont jamais vraiment attaqué. Hein. Ils m'ont jamais attaqué. Bah oui, c'était toi. Il y a eu quelques moments où on parlait de moi ici, mais on ne m'a jamais vraiment attaqué. Parce que quand les abeilles t'attaquent, tu sens ça dans ta peau. Mais je n'ai jamais vraiment fait un combat avec vous, jeune homme. Jamais. Jamais, jamais. Donc, je m'excuse encore, ma choupichou. J'espère que tu vas laver ça et tu vas continuer de m'appeler pour me demander mes nouvelles. C'est ça, depuis un numéro comme ça, là, il dit que, elle n'appelle pas. Ça va. Ça veut dire que elle m'a laissé. Tu étais surprise de savoir qu'elle connaissait que tu avais autant de faux profils. Non, je n'ai pas de faux profils. Hein. J'entre avec mon profil. Quand il va entrer chez quelqu'un, j'entre avec mon profil. D'autant plus que j'ai deux pages. J'ai deux pages et j'ai deux comptes ma soeur Viviane. Ma Vivi, Viviane, c'était tu, non? Coucou, ma pauvre Solange, ma grande soeur, bonsoir. C'était tu, non? Vous-même, je ne peux plus jamais. Hey! Oh, ma famille, oh! Jusqu'à porter la robe rose pour aller. Eh, hey, pardon. Ouais, Seigneur.
Oh non. La reine m'a faute de retour, pardon, calme ton cœur. Était écrit fatigué sur WhatsApp. Ne viens pas ici parler. Si tu décides que tu ne me réponds pas sur WhatsApp, ne viens pas parler ici là. Je crois que la reine m'a faute de retour. Mais bon, j'ai décidé, dans l'esprit de la paix de la Mafo, il y a la paix. Mais si elle te dit, même les gens, même l'île qu'on aime, si elle te dit que je suis passée sur ça comme ça, car Roman sait que je te mens, parce que je ne suis pas le genre. Donc, c'est encore dans mon cœur, mais j'ai dit, bon, si la Mafo dit dans l'esprit de la paix, moi j'ai vu la Mafo dans le même direct avec Décom. Décom a parlé. J'ai dit, si Mafo peut être avec un monsieur comme ça qui l'a dénigré, insulté et tout. Bon, il faut qu'on fasse la paix. C'est vrai qu'on peut faire la paix sans être des amis. Est-ce que tu peux nous dire que... Ouais. Toi, tu as fait beaucoup... Bon, ce n'est même pas ton direct. Je ne sais même pas pourquoi on parle de toi. Pourtant, c'est le direct d'Oshibanga. Moi, je suis poilu. Je voulais te expliquer pourquoi tu es ici. Tu as fait beaucoup de trucs aux gens, mais quand tu es revenu, et j'étais en train d'essayer de donner un conseil, mon petit conseil que je peux donner, c'est que quand vous avez des problèmes avec des gens, quand vous revenez vers ces personnes... Ne courez pas directement vers cette personne. Prenez ça à pas, petit pas. Vous voyez un peu. Donc, donnez-le pour que les blessures essayent un peu d'être de se cicatriser. Ouais, ouais. Mais quand on court directement vers cette personne, on peut encore se guérir. Ouais. C'était un peu ça que j'étais en train de dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de pardonner, mais bon. Tu as eu notre Shell internationale hier. On dit que tu as eu Shell en direct hier. En d'autres mots, qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Shell qui est passée dans mon émission. J'invite aussi Shell. Shell, si peut-être tu n'as pas confiance à la Lyon, tu peux passer ici chez Choupinette. Parce qu'elle aussi, elle n'est pas dans nos histoires de plans et tout ça. C'est ça, moi, pour une place. Donc, pour tous ceux qui veulent dire la vérité, si tu veux t'exprimer, si on continue de t'attaquer, tu peux venir aussi ici, hein, si tu n'as pas confiance. Jamais ne va te trahir, quoi. Donc, si tu me suis, si tu as un truc à dire, parce qu'hier, elle se plaint, hein, Choupinette, elle se plaint, elle a raconté pourquoi on dit qu'elle allait dans les toilettes, elle a invité à Mekame dans les toilettes et tout ça. Alors que nous, ici, là, on l'a condamnée, mais comment une femme peut inviter un homme dans les toilettes comme ça et tout. Donc, elle a expliqué tout ça sur ma page. Donc, Sheila a encore besoin de s'exprimer, si on t'attaque encore plus, soit tu viens sur ma page, si tu n'as pas confiance, genre, si tu ne veux pas trop qu'on m'accule, tu viens chez Choupinette. Elle, c'est mon nom, on ne la connaît pas. Donc, elle lance son direct. Comme elle lance là, elle finit, personne ne la connaît. Personne ne va l'agresser, personne ne va lui porter plainte parce qu'on ne connaît pas où elle vit, comment elle, où elle existe. Donc, c'est un peu ça. Donc, Choupinette, je montais juste pour te dire encore pardon pour nos problèmes qu'on a eu à faire et pardon encore à tout ce que j'ai heurté dans notre famille. Même ma faute de retour, la chevalier, j'ai toujours dit ça. Donc, je le redis tout le temps. Je n'ai pas honte de le redire. Je n'ai pas peur de le redire parce que vous étiez ma famille, vous êtes ma famille. Ça a été c'est toujours quoi, comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc, vraiment, si vous pouvez trouver là, une place pour qu'on passe dessus, c'est une très bonne chose. Et je vous dis, je ne pourrai plus jamais retourner dans la bêtise parce que aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs. Tu vois, j'ai appris de mes erreurs et j'ai des personnes que je les ai fait confiance qui me conseillent et tout. Donc, vraiment, pardon encore. Et je vais te laisser faire ton direct parce que c'est pas mon direct. C'est juste de passage. J'ai voulu profiter pour monter et te dire en direct pardon. Donc, bonne journée à toi et à plus tard. Merci. D'accord. Débloque-moi, Choupinette. Eh, hey, ma choupi, choupi. C'est comment? Yeah! Mais on peut te dire en fait, maman, hey, c'est toi qui m'appelais ou que c'est quelqu'un d'autre. Débloque-moi que je puisse partager même ton direct. Hey, parce que tu fais souvent les prises de position qui me plaisent maintenant que partage sur la petite page si ça me plaît pas. Si tu n'étais pas débloqué, tu ne pouvais pas parler, non? Non, je suis avec la. Je vais vérifier l'autre page. Oui, tu es débloqué. Okay. La petite page, d'accord. Oh, ma choupichou. Bisous, bisous la famille, bisous. Je vous aime. Bisous, ma choupi.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.